Né le 10-09-1917 à Skanpe, près de Lipno en Pologne. Arrivé en France à Chaudun, près de Soissons en 1935 avec sa famille, père, mère, frère et sœur dans le monde agricole. En 1936, la famille retourne en Pologne. Il est accueilli chez un agriculteur qui le rebaptisa Jacques. Et il conserva ce prénom jusqu'à 13 ans. Il est toujours connu Jacques le Polonais. Ah, c'est comme ça que vous, M. Wolniewski, vous êtes connu à Paris, vous savez bien mieux que moi. Il y rencontra sa future femme, Marie Filipek, née le 24-09-1917, arrivée à l'âge de 15 ans environ, qui vivait avec sa sœur et son beau-frère. Elle gardait leur enfant. Il se marie en 1938, dans leur 20e année, à Chaudun. Ils viennent travailler près de Chambry, comme ouvriers agricoles, puis à Barentoncel, puis à Pouilly-sur-Seine. Ils épargnent et confient cet argent à la famille pour l'acquisition d'un bien agricole en Pologne. Ils songent y retourner courant 1939, après la campagne des champs, retrouvant ainsi leur fille, premier enfant de leur union. Le beau-frère, à qui ils confièrent enfants et économie, retourné en Pologne, écrit de ne plus songer à ce projet. Hitler envahit la Pologne. En septembre, réception d'une lettre pour se présenter à la préfecture de Laon pour la mobilisation. Il lui est signifié qu'un étranger présent sur le sol de France est français après 10 ans de présence, malgré une carte d'identité étrangère. Après des péripéties, il reçoit un courrier qui doit se présenter en janvier 1940 à Coëtidan pour être intégré à l'armée française. C'était l'hiver, un froid terrible, moins 20 degrés, des conditions de vie difficiles. Français et Polonais sont mélangés. Après une quinzaine de jours, il se forme un régiment motorisé polonais. Ayant le permis de conduire, sachant parler le français et le polonais, vous êtes retenu comme chauffeur pour l'état-major. Fin janvier 1940, est formé le 24e régiment de chars. Vous rejoignez Paimpont en Bretagne. Fin janvier, début février 1940, mis en place par le général polonais Maczek de la cavalerie motorisée avec les anciens combattants qui venaient de Pologne. Cela sans avoir aucun matériel. Vous rejoignez immédiatement Orange dans le midi de la France, puis Bollène-Mondragon dans le Vaucluse en Provence, sous les ordres du colonel Dick Descour. À cette période, les Allemands attaquent la Hollande. Arrivé en mai-juin 40 à Arpajon, près de Paris, le régiment est équipé de neuf à Versailles. Il peut protéger Paris. Sous les menaces d'Hitler, qui détruirait Paris si la ville était protégée, la division, le régiment de cavalerie équipé, redescend dans le sud-ouest de la France. Arrivé à La Rochelle, après être passé à Cognac et Bordeaux, le matériel est laissé détruit. Les volontaires de la division prennent des bateaux à bestiaux pour l'Angleterre en mai-juin 1940. Les avions italiens bombardent, les sous-marins allemands attaquent à la torpille. De nombreuses pertes. Les 960 hommes de troupes du régiment de cavalerie sont serrés comme des sardines, arrivent à Glasgow en Écosse après une journée, une nuit, en 1940, dans un stade dédié aux courses de lévriers. Après une quinzaine de jours, pour identification et repos, direction Douglas en Écosse.
ils endossent cette fois l'uniforme anglais. Vous restez 4 ans en Écosse dans différentes missions de protection du pays sur les côtes du Nord en direction de la Suède. Entraînement sportif et militaire en vue du débarquement. Aucune correspondance avec votre épouse et votre famille ne vous sera possible. C'est le secret absolu pour éviter qu'Hitler ne sache les forces en place et leurs qualités. Pendant ces années, de nombreux soldats polonais épousèrent des Écossaises. Pour séduire, les soldats aménagèrent contre l'autorité leur uniforme, en modifiant les cravates, les cols, les boutons, en décousant les poches comme le pouvaient faire les officiers. Et un soir, à l'arme, vous devez tous prendre un transport et arriver près de Londres, où vous prenez des bateaux américains et vous débarquez à Arromanches. Le 4 août 1944, la première division blindée du général Maczek, intégrée dans la première armée canadienne, cette fois-ci, débarque en Normandie dans le secteur d'Arromanches pour participer à la campagne de France. Cette unité, forte de 16 000 hommes, 480 chars, 473 canons et 4000 véhicules. Le 8, la division traverse le camp et se trouve arrêtée sur la Dive, subissant des pertes sérieuses. Le 15 août, appuyée par de puissantes attaques aériennes, les dragons de la division prennent fort sur la Dive, élargissent la percée, faisant s'écrouler la défense ennemie, conquièrent Morteau-Couliboeuf. La bataille fait rage autour de Falaise. Très en pointe, la division fonce sur Chambois où le commandant Zorzelski réalise la jonction avec des éléments de la 2e DB française venue d'Alençon. Une terrible bataille de 3 jours débute car les Allemands de la 7e armée s'acharnent à faire sauter le verrou dans lequel ils s'entassent. Ce verrou, baptisé Maczuga, la massue en polonais, est tenu par la division du général Maczek. Des combats acharnés se livrent à la côte 262, où les Polonais sont comme assiégés par les assauts se succédant de tous les côtés. Héroïques, ils écrasent les assaillants, défont un corps d'armée dont ils capturent le général. Les 20 et 21, les unités blindées SS les attaquent à outrance. Les Polonais se battent avec l'énergie du désespoir et sont sauvés par l'assistance des Canadiens de la 4e DB, amenant la victoire finale. Dans cette bataille, la première DB polonaise a perdu 2500 hommes, elle a fait 5700 prisonniers, détruit 70 chars et 600 véhicules. Ensuite, la division entame sa poursuite vers Kulbeuf et traverse la Seine le 31 août sur un pont jeté par les sapeurs. Le 3 septembre, la division libère Abbeville et Saint-Omer. Le 5 après un fort engagement. En 9 jours, au prix de 494 morts, l'unité a parcouru 400 km, capturant encore 5000 soldats allemands. Elle reçoit les semaines suivantes les renforts issus de 10 000 volontaires polonais des bassins miniers du nord de la France. Ils longent la côte pour la Belgique et les Pays-Bas, puis l'Allemagne. Et c'est une autre histoire. C'est en Allemagne vaincue et occupée qu'il apprendra la fin de la guerre. Et je voudrais juste pour finir dire un petit mot sur Madame, qu'on a retracé là l'histoire militaire de M. pendant ce temps-là, Madame de Lobieski, elle, vivait, seule, sans nouvelles, sans sa fille, qu'elle a pu retrouver seulement 11 ans après. Monsieur Madame. Monsieur le maire, merci de m'avoir invité. C'est vrai que je ne sais pas si
va compter ça depuis des années, parce que déjà il est en question de soi, mais il m'a appris trois choses très importantes. C'est de respecter la terre d'avenir, c'est-à-dire la France, nous avons reçu, là aussi. Ensuite, le respect du drapeau. Et pour nous, le drapeau est très important. Éventuellement, mais la France est très importante. Et la troisième chose qu'il m'a appris, c'est le respect de l'autre. Et aujourd'hui, toute ma carrière, j'ai toujours été les autres, jusqu'à aujourd'hui, de par les deux, même avant. La Marseillaise. Par la poste. Voilà, donc ça a été organisé un peu
peu en catastrophe, mais on trouvera probablement le mouvement noir pour autre chose que nous voulons. Maintenant, je vous convie à rentrer dans la mairie, où vous êtes servi au Parlement.